Salut, j'espère que tu vas bien. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux parvenir à faire ton enrôlement en ligne pour ne pas perdre beaucoup plus de temps lorsque tu serais au centre d'enrôlement. C'est en quelque sorte un pré-enrôlement, une façon pour toi de gagner le temps pour n'est pas beaucoup plus en perdre au centre d'enrôlement. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je te demanderai donc de t'abonner sur la chaîne car nous y publions généralement des astuces informatiques, des vidéos ayant trait à la science et à la technologie chaque semaine. Alors, pour ce faire, si tu es sur la plateforme Android ou sur ordinateur, je te demanderai de lancer donc ton Play Store. Après avoir lancé ton Play Store, tu vas chercher cette application. L'application se nomme Mirac Séné. Tu vas télécharger et l'installer. L'application s'installera tout simplement comme toute autre application que tu télécharges sur Play Store. Une fois que l'application est donc installée, tu vas venir chercher ça sur ton téléphone et tu le démarres comme je viens aussi de le faire. L'application ne va pas du tout traîner. Le premier menu, ou soit voilà, le premier menu, il se présente comme cela. On te dit là d'ajouter un nouveau électeur. Tu vas cliquer sur ajouter un nouveau électeur. Après avoir cliqué sur ajouter un nouveau électeur, là dans le premier text box ou soit dans le premier champ, on te dit de mettre l'ancien numéro national. L'ancien numéro national, lorsque tu regardes bien sur ton ancienne carte d'électeur, c'est le numéro où il est écrit NN. Là, tu vois ajouter, par exemple, moi je vais mettre 20 100. 59, 259, 43, 62, 23. Voilà, le numéro il est validé. Les noms, j'ai devant moi la carte de Mademoiselle Ngoyi. Les postes, non, c'est Lomami. Les prénoms, c'est Flore. Donc, tu vas pas mettre ces informations que moi je suis en train de mettre. Ces informations, tu vas compléter les informations qui sont sur ta carte d'électeur à toi. Je tiens donc à préciser que cette vidéo est une dédicace spéciale à tous mes amis congolais. Ainsi, le lieu de naissance, c'est Kinshasa. Le lieu de naissance, c'est Kinshasa. La date de naissance, on va prendre. Elle est née en quelle année? Le 17. Elle est née un certain 17. Décembre, l'année c'est en 2000. Voilà, on peut laisser même ça. Le numéro de naissance, il n'y a pas. La taille de la personne en centimètres, 70 centimètres. Numéro 1, 2, 3. 4. La nationalité congolaise, la couleur des yeux gris, les sexes féminins, les numéros de téléphone 09 94 64 17 28, l'adresse mail, on va maintenir veste. Arrobase gmail.com.
com. Coordonnées postales, il n'y en a pas. Profession libérale. Libérale. Voilà. Niveau de titre. Diplômé. Statut matrimonial. Célibataire. Nom du père. Alors, c'est Moutoualé. Nom de la mère, Basséa. Voilà, une fois arrivé à la fin, vous remarquerez donc que les boutons suivants s'activent. Là, vous suivez un D. Les derniers champs qu'on vous présente sur les informations ayant trait à vos origines. Province d'origine, c'est Congo central. Voilà, on va chercher ça. Congo central. Territoire d'origine, c'est Kasangulu. Bomage, voilà, je vais chercher Banzangongo, par exemple. Chefferie d'origine. Toujours Banzangongo, groupement quartier d'origine, Révolution, village d'origine, okay. Village d'origine, il n'y a pas. Voilà, on va mettre sur le suivant, résidence. Congo, la République démocratique du Congo, province de résidence au Katanga, territoire, ville de résidence, Lubumbashi-ville, secteur ou chefferie de résidence, c'est Kampemba, groupement au quartier de résidence, Bel Air 1, village de résidence, il n'y en a pas, numéro de résidence, 470, voilà, on clique sur suivant. Adresse du domicile, pays de résidence. On rentre toujours. On va prendre Congo. Désolé, ça va quand même prendre du temps. On est pratiquement à la fin. Pourquoi ça revient encore? Pourquoi ça revient province au Katanga, Lubumbashi-ville. Kampemba, la commune, groupement, Bel Air 1, village d'origine, adresse 520. Ok. On va cliquer sur suivant. Pièce présentée. Carte de l'œuvre. On va chercher. Carte d'électeur 2016-2018. Numéro pièce. Voilà, on va chercher là. J'espère que ce sont les dernières informations. Numéro pièce. On va le rentrer. Le numéro 20. 100. 59 43 36 233. Voilà, on est pratiquement à la fin. La autre information précédente, autre présence handicapée. Handicapé moteur, handicapé auditif, bon, tout ça là, ça n'a pas tout d'impact. Nature de l'acte civil, de l'état civil, acte de naissance, voilà, jugement supplémentif à l'acte de naissance, bon, numéro d'enregistrement de l'acte, je l'ai mis 1, 2, 3, 4. Situation administrative de l'étranger, il n'y en a pas.
Date de reconnaissance, lieu, valeur. Voilà. On est pratiquement à la fin. Cet électeur a été ajouté bel et bien. Et une fois enregistrées ces informations, vous partirez au centre et vous demanderez excusez, s'ils ont le QR code. On va juste scanner ces informations et vous n'allez pas prendre beaucoup plus de temps. Messieurs et dames, ceci était pour moi un réel plaisir de partager avec vous ces petites informations ce soir. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Merci et à très bientôt pour de nouvelles expériences.